qui veux-tu que je commence ? Par toi ? Ou bien par elle ? Par toi, plutôt. Pardon. Vous avez quelque chose au coin de la bouche. Ah. Non, c'est juste de l'autre côté. Là. Toujours. Ça va, il n'y en a plus. Merci. De rien. Dites-moi, pourquoi le patron a demandé à vous voir hier ? Ah ça ! Il se trouve que Minotako-san m'a contacté pour me demander de lui rendre un petit service. Il voulait que je lui recommande certaines personnes. Recommander ? J'ai refusé, bien sûr. Je comprends. Je peux vous dire une chose ? Non, c'est idiot. Non, c'est rien, dites-moi. Je vous écoute. Oui. Je me demandais si vous aviez un petit ami. Non, je n'ai personne. Et vous, vous en avez une ? Hein ? Je vous demande si vous avez une petite amie. Non, pas du tout. J'en ai pas.
Je vous aime. À la seconde même où je vous ai vu, je suis tombé amoureux. J'aimerais tellement... sortir avec vous. Eh bien, moi aussi, je peux vous l'avouer, je vous aime bien aussi. C'est vrai? Bien sûr que c'est vrai. Mais... tout ça me paraît un peu soudain. Comment vous dire ça? C'est la première fois que nous nous retrouvons tous les deux pour un dîner en tête à tête. Je ne suis pas encore tout à fait sûre de mes sentiments. Je crois, enfin, qu'on devrait faire un petit peu plus ample connaissance. Oui, bien sûr. Vous avez raison. C'est mieux de bien se connaître. Oui. On prendra tout notre temps pour ça. Oui. Vous vous êtes bien amusé? Oui. Tant mieux. J'avais si peur de vous ennuyer. Au contraire, je vous ai trouvé très drôle. Ça fait plaisir, hein. Monsieur Kojima, est-ce que vous seriez prêt à mourir pour moi? Quoi? Je vous disais, seriez-vous capable de mourir par amour? Je vous taquine, voyons. On y va. Si jamais ça devait arriver, je ferai de mon mieux. Oh.
C'est un vrai délice, ce gâteau. La crème a vraiment très bon goût. De toute ma vie, je n'ai jamais mangé un meilleur dessert. Un test culinaire, tout simplement renversant. J'ai une question pour vous deux. Combien de fois vous avez déjà baisé ensemble ? Je t'ai posé une question. Beaucoup plus de 100 fois. Ou plutôt 50. Et toi, là-bas ? Plutôt proche des 10 fois ? Alors, est-ce que vous avez couché ensemble ? Ça c'est fait, oui ou non ? Réponds-moi, vous êtes sortis ensemble ? Et qu'est-ce que tu en dis, toi ? Est-ce que tu aimes cet homme ? Et toi, alors ? Tu es amoureux de cette femme, hein ? Bien, je vois. Et serais-tu prêt à mourir pour elle ? Peu importe, de toute façon, vous allez tous les deux mourir. Bon, je vous laisse une porte de sortie. Essayez tous les deux de réveiller ma libido. Faites-moi bander. Excitez-moi, ce qui me prouvera votre volonté incommensurable de survivre. Et vous aurez la vie sauve. Je vous le promets. Allez, au boulot. Regarde. Regarde, je te dis. Ouvre les yeux.
faut que tu vois ça. Je veux que tu la regardes bien. Ne gigote pas. Arrête de bouger. Allez, tu dois respirer normalement. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Je ferai tout doucement. T'as pas à t'inquiéter.
Calme, jeune homme. Regarde-le bandé. Regarde-le. Tu vois comme il bande ? Voilà. Tu as suffisamment bu. Tu n'auras le droit de parler que lorsque je te poserai une question. Si tu penses en être capable, je t'enlèverai ça. Qu'est-ce que t'en dis ? Oui. Très bien. Encore tout humide. Et maintenant, supplie-moi de te tuer. Vas-y. C'est rien que des mots. Tuez-moi, s'il vous plaît. Tuez-moi, s'il vous plaît.
Tuez-moi, s'il vous plaît. Tuez-moi. Arrêtez ça. Ça suffit. Tu n'as le droit de me parler que pour répondre à mes questions. Si tu peux tenir ta langue, je te retire ton bâillon. Tu m'as compris? Oui. Je vais te faire connaître la vraie douleur. Mais comme je te l'ai dit, essaye de m'exciter. Monsieur, pourquoi? Libérez-nous, je vous en supplie, on dira rien. Je vous promets qu'on disparaîtra. Au moins, laissez-la s'en aller, elle dira rien. Cadeau du monsieur. C'est adorable. Faudra que je pense à lui en faire un aussi.
m'obliger à te punir. Je risque de te louper. Ne t'inquiète pas, j'ai désinfecté toutes ces blessures. Et voilà le cadeau de la petite madame.
peine de t'exciter comme ça. Tu mourras de toute façon. Tu as dit que tu étais prêt à mourir pour elle. Mais avant ça, je vais être obligé de te découper membre après membre. Si jamais tu venais à décéder fortuitement, je me sentirais obligé de continuer avec elle. Tu as compris les règles du jeu ? Je vais donc commencer par te clouer les testicules sur le brancard. Si jamais tu craques et que tu me demandes d'arrêter, je m'occuperai d'elle. T'as tout intérêt à tenir bon. Pour être plus précis, le premier clou va entrer quelque part ici. Ça risque de faire très mal. Abandonner serait de la lâcheté. Tu as bien dit que tu serais prêt à mourir pour elle, alors voilà, tu en as l'occasion. Mais c'est oublier un peu vite à quel point l'être humain est faible. Alors, tu abandonnes ? Sectionner, ce qui te privera de toute sexualité. Et même avec elle. Prêt ? Oui, tu as raison, je vais d'abord m'occuper des yeux. Ça peut attendre. Revenons au pénis. Arrêtez! Pardon? Qui t'a permis de me parler? Hein? Tu veux que j'arrête? Il a l'air d'aimer ça, finalement. Vous n'allez plus mourir.
Bonjour, Miyashita. Vous voyez bien, on est encore en vie, contre toute attente. Vous vous seriez vraiment sacrifié pour moi? J'avoue avoir eu la peur de ma vie. Et pourtant, j'ai essayé de me comporter du mieux que je pouvais. Quoi qu'il en soit, nous avons survécu, vous et moi. C'est vrai. Ensemble. Vous et moi. Alors, comment allez-vous ? Vous êtes encore tous les deux très faibles, alors restez au lit quelques jours, le temps de reprendre des forces. Ne me remerciez pas, c'est moi qui vous suis reconnaissant pour tout le bonheur que j'ai eu. Vous pensez vraiment qu'on peut vous croire, après nous avoir fait subir toutes ces atrocités ? Calme-toi. Évidemment, je ne peux pas vous demander de me croire, surtout pas après toutes les horreurs que je vous ai fait endurer. Mais je vous promets que je ferai tout pour que vous me fassiez confiance. Vous allez voir, vous finirez par croire ce que je vous raconte. Vous ne pensez qu'à votre petite personne. Ne dites pas ça. Non, mais si, elle a raison. C'est vrai, je suis un sacré égoïste. Et pourtant, il faut vraiment me croire quand je vous dis que je veux vous aider. Mais je vous demanderai de garder ces chaînes. C'est pour votre sécurité. Mais pourquoi ? Pourquoi vous nous faites autant de mal ? Pourquoi je vous enchaîne ? Mais pour que ça ne vous vienne pas à l'esprit de vous enfuir d'ici. Vous êtes encore beaucoup trop faible. Ce serait très dangereux. Je suis un médecin trop soucieux pour ça. Quand vous irez mieux, on ira voir la police. Je me livrerai moi-même aux forces de l'ordre. Je vous léguerai tous mes biens. Je vous verserai une pension d'invalidité de 700 millions de yens, histoire de repartir du bon pied. Je le fais de bon cœur, croyez-moi. Après tout le plaisir que vous m'avez donné, c'est bien peu de choses. Kojima, vous ne trouvez pas un petit peu étrange qu'il nous traite si bien? Je me demande ce qu'il manigance. Qu'est-ce qu'il a vraiment dans la tête? Vous croyez qu'il va nous laisser partir comme il dit vouloir le faire? J'espère. Moi aussi, j'aimerais y croire. Ce type est un vrai malade. Même s'il nous en a fait la promesse l'autre soir, il n'en reste pas moins que c'est un véritable sadique, non? Je pense qu'on ferait bien de rester sur nos gardes. Je me disais qu'après être sorti d'ici, on pourrait nous deux... Étant donné ma nouvelle condition d'handicapé, si jamais on sort ensemble, j'aimerais partager votre vie si vous voulez de moi. Oui, je le veux, mais... Moi aussi, je suis très amoindri.
Mais d'un autre côté, il est vrai qu'à deux, nous serons beaucoup plus forts. J'aime beaucoup vous imaginer près de moi. Je ferai de mon mieux. Ce que j'aimerais là, ce serait aller aux toilettes. Je comprends. Est-ce que vous avez remarqué qu'il met moins de 30 secondes pour arriver quand on le sait? J'ai remarqué, oui. Vous savez quoi? Je suis curieuse de savoir ce qu'il peut bien faire. J'y pensais aussi. Qu'est-ce qu'il trafique, selon vous? Je ne sais pas trop, mais il doit bien être occupé à faire quelque chose. Ah oui, il se lave sans arrêt. Mm-hmm. C'est vrai qu'il sent souvent le shampoing et le gel douche. Vous avez fini? Oh, j'ai besoin d'aller au petit coin. Je reviens. Ça va. Ça va aller. J'admire votre détermination. Vous vous accrochez tellement à la vie tous les deux. Bientôt la sortie. On pourra partir. Oh, mais bien sûr. Je suis très fier des progrès que vous avez faits. Encore 2 ou 3 jours, et vous pourrez enfin rentrer chez vous. Ah, et n'oubliez pas de prendre vos médicaments. Pourquoi? Allons, un peu de calme, s'il vous plaît. Vous avez été brillant. Vous avez réussi à me faire prendre mon pied comme jamais. Donc, je me suis dit que je pourrais encore m'amuser un peu. J'imagine ce que vous devez ressentir en revenant ici. Un profond sentiment de désespoir. Prouvez-moi une dernière fois votre volonté de survivre. Vous saurez sûrement m'offrir ce que je recherche, j'en doute pas. Alors, à vous de jouer. D'accord.
D'habitude, je tiens toujours mes promesses. Mais il me manque quelque chose. Le déclic qui me donnerait l'impulsion de vous libérer. Maintenant, il va falloir me prouver que vous êtes prêt à mourir pour elle. Je vais te faire une entaille au niveau du ventre. Si j'ai choisi de te faire une entaille là, eh bien, c'est parce que c'est là que se trouve la plupart de nos entrailles. Alors je vais piquer le bout de tes intestins avec cette aiguille. Et ensuite, je n'aurai plus qu'à les suspendre. Une fois que tes entrailles seront bien accrochées, je te dirai de t'avancer jusqu'à... une jolie paire de ciseaux bien aiguisés. La longueur de tes intestins te permettra sûrement d'arriver jusqu'ici. Mais le problème, c'est que tu seras obligé de te libérer tout seul de tes entrailles. Si tu veux vraiment qu'elle retrouve sa liberté, enlève-lui ses liens avec ceci et libère-la. Si tu y arrives, je te promets de la laisser s'en aller. Elle sera une femme libre. Mais peut-être veux-tu changer d'avis? Excite-moi comme autrefois. Je sais très bien que tu en es capable. Pourquoi tu me lances un regard si noir? Sa vie ne dépend plus que de toi, mon cher Kojima. Allez, courage. Je comprends bien, tu préférais que je la torture et que je la découpe en petits morceaux. Pourtant, j'étais sûr que tu irais au bout. Je me suis trompé sur toi. Continue, t'en es capable. Vas-y, avance. Ouais, continue d'avancer. Allez, tu peux le faire. Ouais, vas-y. C'est ça, oui. Allez. Pitié de... Avance.
Hello. Hey. Vas-y! Allez, vas-y, rompe! Rompe! Allez, encore un peu et tu y seras, alors vas-y! T'arrête pas si près du but! T'y es presque! Allez, du cran! Avance! Allez, bouge-toi! T'y arrives! Ouais, t'y es presque! Oui, bien, c'est ça, prends-les. Oui, c'est bien, tu vas réussir, t'y arriveras, je te dis. Allez, faut que tu cours maintenant. Vas-y, bouge-toi, rentre, fais ce que tu veux, mais vas-y, mon sang! Oui, voilà, vas-y, rentre vers ta petite copine. Vas-y! Oh, mon pauvre cochon, je suis désolée. Oui, c'est bien, t'y es maintenant. Tu vois que tu peux y arriver seul. Allez, vas-y, vas-y, coupe! Vas-y, voilà, je sais que t'y arriveras. Allez, vas-y, coupe! Allez! Bien! Bravo, champion! Ah, t'es un vrai chef, toi! Bravo, tu te débrouilles très bien! Allez, continue! Maintenant, il faut couper les liens de son bras! Eh ben, qu'est-ce que t'attends? Allez, encore un effort et ce sera terminé! Là. Thank you.
voilà. Quel gâchis. Prouve-moi une dernière fois que tu as envie de vivre. Oh! Voilà. J'aime ce regard. En fait, j'ai très bien connu votre mère. Elle faisait des passes dans les bas-fonds d'Obuko. Une de ces prostituées qui passait son temps sur le trottoir. Le visage fardé d'une tonne de maquillage. Le genre de nana dont on se moque. Je me souviens parfaitement de votre mère. Vous avez le même visage? Ah oui? T'en sais des choses, toi. C'est assez facile à deviner. Eh ben, explique, je t'écoute. Vraiment? Vous ne devinez toujours pas? Vous êtes si pitoyable. Je suis certaine que vous n'avez pas dû avoir beaucoup d'amis dans votre vie. J'imagine. Je suis sûre que quand vous étiez jeune, les filles ne voulaient pas sortir avec vous. À part des prostituées comme votre mère, aucune fille ne voudrait coucher avec quelqu'un d'aussi abject que vous, pas vrai? C'est ça? Aucune femme dans ce monde ne vous a jamais aimé, je me trompe? Et vous savez pourquoi? Vous voulez l'entendre? C'est génétique. C'est votre mère qui vous l'a refilé. Elle sentait très mauvais, tout comme vous. On pouvait la sentir de loin, à Obuko. Même les clodos refusaient de la baiser. C'est marrant. J'imagine que si elle ne vous a rien dit, c'était pour ne pas vous humilier. C'est génétique et vous n'y pouvez rien si vous êtes devenu une espèce de psychopathe. Tu me dis que j'en peste. Ah ça, oui. Vous et votre mère, vous vous valez bien. Vous puez tant que c'en est une affection. Ce sont vos aisselles. Mais comment ça, je pue? Dites-moi franchement, vous ne le sentez vraiment pas? Vous avez perdu l'odorat? Encore un cadeau de votre mère. Vous sentez trop la charogne et vous n'en avez même pas conscience. Vous êtes quelqu'un d'absolument repoussant. Vous empestez tellement que les gens vous vomissent. C'est pour ça que personne ne veut vous voir. Si
seulement vous aviez pu avoir une vraie amie, elle vous l'aurait dit. Et vous ne seriez pas ici en train de délirer. Mais comme personne ne vous a jamais rien dit, alors ça confirme que vous ne devez sûrement pas avoir beaucoup d'amis de près ou de loin. Vous faites toutes ces choses horribles dans l'unique but de vous sentir un peu moins seule. Je ne me trompe pas. Vous me faites pitié. Pauvre type. Vous êtes seule sur Terre. Thank you.